Dernier test avant de commencer. Et j'y vais. Hey, salut à tous, c'est Zerlix et bienvenue sur un nouvel épisode d'Eternal Darkness. Salut, je venais de faire Indiana Jones. Ouais, on venait de ramasser le cœur. Dégueulasse. De Mantouk. Et je n'ai aucune idée de la suite. Je crois qu'il manquait un truc à ramasser avec l'aventurier. Oh, Funky, arrête de bouger. Donc, oui, j'ai le cœur examiné. Un pied anime le cœur de Mantua, bien que le dieu mort se trouve ailleurs, son pouvoir réside dans ce temple. Ouais, bien crade en tout cas. Donc, on venait de ramasser ce cœur. Et qu'est-ce qu'il fallait que je fasse? Parce que je n'ai rien d'autre à... Aurais-je oublié quelque chose? Maintenant que j'ai la possibilité de révéler l'invisible. Non, ça ne me sert à rien. Ça me servirait à rien. Servir la clé. On va utiliser le cœur dans une seconde. Oh mon pote là. Une seconde, j'ai cru qu'il était mort. Bon, j'avais rien d'autre à faire, hein, je crois. Hein. Prendre le cœur, l'examiner, et puis partir à la nouvelle histoire. Celle du grand-père, cette fois. Par contre, il faudra pas que j'oublie. Ouais. Donc, je disais, il faudra pas que j'oublie de chercher pour les. Pour les trucs de sort, là. Pour les rendre plus puissants, parce que je n'ai que celui de 3. Et j'ai encore oublié de lancer l'enregistrement. Non, c'est bon. Et c'est vrai qu'il faudrait que je puisse me défendre plus puissant. Enfin, en étant plus puissant contre les attaques des prochains monstres. Salut, Dimizar. Non, toujours pas. Bon. Voyons voir les pièces auxquelles je n'avais pas accès encore pour le moment. Je vois le chat. T'inquiète pas, Dimizar. Je vois très bien que tu es là.
Annulation vert. Là, là, non, voilà. Je sais pas ce qu'il a, ce joystick. Ici, des sorts. Donc, c'est rompre un enchantement. Jeter, il faut que je le jette au rouge. Pour information, Jimizar, le chat a 20 secondes de retard. Le micro, on m'entend pas. Là, c'est mieux ou pas? Est-ce que c'est mieux pour le micro? D'accord. Ouais, le problème c'est que si je baisse plus, il n'y a plus de son en fait. Le micro est déjà au max. Je vais baisser le son de capture. Là, ça devrait être bon. Tu es sûr que c'est pas mieux? Parce que franchement, là, à ce niveau-là, après, vous auriez plus de son. Là, ça va commencer à chier des bulles, d'après ce que je vois. Peux pas gueuler, hein, non plus. Mais si tu veux, on va essayer de parler plus fort. Si tu veux. Ouais, on va directement lire. Hérésie. On joue l'ancêtre de Lionel Luthor et de Lex Luthor. C'est toujours sympa de voir un inquisiteur
de ce type-là. Croyez qu'on a le droit d'écouter du métal là-dedans? Il faut quand même reconnaître que c'est une putain de vue, quand même. Donc là, c'était l'accès au balcon. La cloche qui sert strictement à que dalle. Bon, je croyais que c'était un passage, mais non. C'est marrant ça, pourquoi à chaque fois que tu es dans un jeu qui a une église que tu peux visiter, il y a le tonnerre derrière, il y a un putain d'orage de fou quoi. Censé signifier quelque chose en particulier? Fermé, hein. C'est louche tout ça. Dit-il. Je suis sûr que c'est lui le coupable. Ah, quelque chose me dit que j'ai été privé de déjeuner. Tiens, tiens. The body you found was Brother Andrew, and he was killed to protect a secret. We can't talk about it here. Find me in the bell tower later, and I shall aid thee further. Why are you releasing me? I don't want to see another innocent die like your Franciscan brethren. I have seen Brother Andrew make numerous entries into his journal. This may contain the answers to the cathedral's dark secrets. What can I do? If I were you, I'd run. They will surely hunt me if I run. This has to stop. Then be it on your own head, Luther. Find Brother Andrew's journals if you can. He spent time in the old tower investigating. I believe I can find the key to the old tower in one of my stores. Later, come find me in the bell tower, and I will give it to you. Be swift. We can't evade them forever.
Donc, l'inquisiteur est bien meurtrier, ça c'est clair. Et pourquoi j'ai ramassé ça, moi? Lapidaire, comme lapider les gens. Duprez est une petite canne sur laquelle fixe l'intention de la prière méditative. Ce n'est pas que tu es chiant, dit Mizar, c'est juste que tu as qu'à monter ton propre son. Oh, génial. Bienvenue dans la salle que j'aimerais, que je rêverais d'avoir dans ma chambre. Écoutez cette douce mélodie, quoi. Et donc je retrouve l'usage de mes sorts. Ça, c'est plutôt classe. Et moi, j'ai tout mon setting à fond aussi, donc ça va être très dur de monter plus. Et t'es pire qu'une gonzesse, Jimizar. Donc il m'a dit de venir dans la vieille tour. Ah, ça c'est un problème. Je peux peut-être essayer de le taper comme ça. Champ de force, jeter. Si je mettais du rouge. Raté. Se défendre à coups de sort, ma foi. Pauvre prêtre. Ça se passe défendre les pauvres. Donc là, on est dans la vieille tour, c'est ça? On est attaqué! On est attaqué! L'esprit maléfique de Redbone débarque! Bonjour, je suis perdu. Une arbalète, mais si je n'ai pas la flèche, ça ne sert à rien. Donc cette pièce, il n'y a plus rien. Je suis en train de me poser une question assez sérieuse. Mais je la poserai pas. Pour respecter les croyances de chacun. Fermer la clé. J'avais pas reçu la clé de maître vieux là? Je viens de me faire surprendre par le son. Putain. Wouhouhouhou. Au revoir. Alors ça c'est ballot, sérieux. T'es tombé dans mon piège. Oh mon dieu, t'es encore plus moche que la dernière fois que je t'avais vu. C'est dire. Je vais m'équiper de la torche quand même. Non, on sait jamais. Ça fait quoi ça? Ah ouais! Tranquille, Emile!
Pour ceux qui ont vu mon let's play sur la chaîne, et ceux qui regardent ma chaîne, c'est là où on est allé trouver Charlemagne crevé. Sort de protection. Intéressant. Oh, c'est ça. Les 24 heures du monastère, on les fera plus tard. Cherchons, cherchons, cherchons. Je dis une arbalète sans flèche. Ça peut toujours être inutile. Ah mais oui, c'est vrai, putain, c'est la même église. Donc oui, il y a un passage. Alors, liste des sorts. Gros nul. Viens, viens. Allez, approche. Gros naze. C'est sûrement le journal de Père Dauphine. Père Dauphine. Si tu me redis que la voix est pas nickel, je te brûle. Page de journal. À mon avis, il faut la lire. Tiens, un parchemin de Zelda. Ça, c'est le champ de téléportation de Zelda. Ocarina of Time. Non, plus de passage secret? Ok. Non, 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 je suis full. Bon, j'aurais pu la mettre. Partition de musique. Voilà. Pour Dimizar, je viens de remettre le son exactement comme il était tout à l'heure, c'est-à-dire deux crans en dessous. Main de Jude, on s'en fout. M'attaquez pas, je suis qu'un pauvre prêtre sans défense. Tiens, au cas où. Non, pas ça. On va poser ça ici. Voilà. Ah, ah. Je ne les avais point vus. Ces portes sont fermées, il ne paraît pas possible de les ouvrir manuellement. La partition de musique, mes frères. Pour information, hein, je viens juste de remettre le son exactement comme il était tout à l'heure. Là, il y a un bouquin. Le livre des reliques.
Bon, les trois petites lucioles commencent un peu m'emmerder, faut le dire. Une machine dans un monastère. La masse de bénédiction majeure. Est-ce que ça vaut le coup de... Déjà, on va faire ça, ça, non, pas celui-là, enchanter un objet, jeter rouge sur la masse. Ouais, est-ce que l'arbalète vaut le coup? Sachant que je peux jouer à coup de bouclier. Parlant du loup. C'est un prêtre, il faut bien qu'il se protège. Voyons. Oh Dieu, aidez-moi à combattre le mal. Oh, laggy, laggy. Là, ça craint un peu, par contre. Mais alors, recharge. T'es sérieux, là? Bam! Ça va, Connor. Ouais, carrément. Louez, sainte patate. La plus bénie de toutes les patates. Que son nom pataté soit des frites patatantes. Oh. Oh putain, il faut vraiment que je fasse gaffe à comment je lis. Maturation, ne pas confondre avec d'autres mots qui s'écrivent quasiment pareil. Red? C'est toi? C'est toi caché dans une cabane? Red! Oh, bleu? Me faudrait-il du vert? Alors, on commence. Liste des sorts, champ de force. Et oui, le vert contre le bleu, tout le monde le sait, ça, voyons, il faut arrêter, c'est tellement classique. Ouais! J'ai trouvé une cave à même pour l'intérêt. Oh, avoue que ma protection est métal. Bam! Ah, merde, ça c'était pas prévu. Bam! T'as le droit de mourir aussi. T'as le droit de mourir. Bon, ça va pas le faire. Équiper. Ouais, mais c'est des moines franciscains. Je parie que c'est la barrière que t'as fait le plus de dégâts. J'ai trouvé un saphir. Amen, sois béni, créature immonde. La sainte masse t'a béni. Ah.
J'ai le bleu. J'ai la verte, il me manque la rouge. Ok. Bon, allez, on va jouer du piano. Laissez passer le porteur de la Sainte Masse. Pendant une seconde, j'ai cru à ma vie. C'est métal. Oui. Où ça va piquer? Là, j'ai enfin du saut. Là, j'ai de l'invoque démoniaque. Cercle de pouvoir à 5 points. Maintenant, la force des sorts à 3 points peut augmenter en utilisant la rune de puissance. Ok, rien compris. Bref, c'est étrange. Depuis tout à l'heure, on devrait avoir que du vert et là, on a eu du bleu. Nouveau sort. Je n'ai aucune idée de comment le faire. Voyons voir. Pour enchanter un objet, c'est ça et ça. L'antenne de télé est l'espèce de J bizarre. Oh, sainte patate. Donc, ça. L'antenne de télé. L'antenne de télé est ça. Donc il manque une ruine. Scheiße. Excusez-moi, monsieur le cadavre, vous aurez pas vu un rubis rouge? Oui, je précise rouge parce que vous êtes un peu con à l'époque. Donc là, il y avait la verte. Et si j'allais casser les couilles au moine là-haut? Saint-Paul, bien sûr, c'est un saint-homme. Saint-Paul, le marchand de frites, voyons. Arrêtez. Et Jésus prit les patates, les coupa en fines lamelles, ce qui donna des frites. Et dit, prenez ceci, c'est fait avec du ketchup. Bon, avant que je m'enfonce un peu plus dans l'hérésie, continuons le jeu. Suffisant pour porter les accusations contre Augustine. Il doit bien y avoir autre chose à trouver. J'ai bien une idée. Mais ça consiste à lui faire rencontrer ma masse. Car elle est aussi grosse que ma soif de connaissance. Qu'est-ce que vous avez cru, bande de pervers? Mécréant. Bon,
Bon. Az, mon cher Az, rappelle-toi. Où est-ce qu'il serait donc possible de trouver cette putain de pierre? À droite. On a eu la bleue en bas. On a eu la bleue en bas. Non, toujours pas. Voyons voir ce qui nous manque. Examiner. Je comprends que la main de jus de préparatif, cet ordre étrange ne fait aucun. On pourrait se demander, ils ont vraiment la foi. Rien à foutre. C'était dans un et une flèche dans sa gueule, est-ce que c'est considéré comme hérétique? Je sais qu'il y a une armoire que je peux déplacer, mais je sais plus si c'est avec lui ou si c'est avec quelqu'un d'autre. De suite en rouge, c'est beaucoup plus sombre. Andrew, mon cher, veuillez monter dans ce cercueil. On va essayer de voir si je peux pas jeter une autre couleur que le rouge parce que ça rend les choses vraiment morbides. Ah, voilà. C'est un peu plus bleu. Tiens donc, qui voilà? Si ça peut t'aider, j'y suis absolument pour rien. Ah, il va me couper un deux avec sa fin de berge. Ça craint un peu tout ça, non? Prisonnier, prisonnier, prisonnier. Et merde. Je suis en train de me faire corner. Aïe! Écoute, je veux vraiment pas me battre contre toi, t'étais un mec plutôt sympa. Alors, écoute. On est sympa chacun l'autre, d'accord? On s'adore tous les deux. Mais tu restes loin de moi. Et puis t'es moche. Franchement, si tu me crois pas, regarde ta gueule. Hein, c'est un crime.
Prison, 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 prison. Oh, oh double coup. Je kiffe cela. Écoute, tu restes de ton côté du cercle, je reste de mon côté, et nos amis les prêtres seront bien gardés, ok? Oh! À ta place, je me sentirais visé. Ah putain, je suis dans la merde. Sincèrement désolé, sœur cadavérique. Tu as le droit de prendre le caillou aussi. Ouais, ça, c'est de l'arme. Par contre, il va falloir que je me soigne. Oh putain, c'est... je me suis mis dans la tête. Qui aurait cru que jeter des sorts, c'était aussi épuisant? Nope. Bon, ben, marchons. Bon, je vais pas dire, mais j'ai quand même utilisé une arme dans la maison du Seigneur. Rien de plus normal. Et maintenant que j'ai le rouge, je peux descendre en bas. Je n'ai plus de mana. Mais alors, plus du tout de mana. Alors, pour ceux qui veulent m'attaquer, c'est maintenant. Je peux absolument pas me défendre. Donc, le rouge défonce le vert défonce le bleu défonce le rouge. Et ouais, le bleu sera toujours plus fort que le rouge. Bonsoir mon ami, au revoir. Liste des sorts. Oh ça va faire mal, oh ça va piquer. Oh, oh putain de bouton de merde hein. Bon. Tiens voilà ça c'est fait. Ouais, la couleur azur a toujours été plus forte que la couleur raide. Ça a été prouvé. Et ça, ça doit être la fameuse ruse de pouvoir. Oula, mon perso commence à halluciner. La statue qui bouge et tout. Brat. Surprise! Commençons à tuer l'estremont. Oui, alors, les bruitages et tout ça, le bruit de quelqu'un frappe à la porte et tout ça, c'est dû à ce que ma santé mentale était bas, hein. Je le répète pour ceux qui ne connaissent pas trop le jeu.
Putain de boulet de merde. Oh, mais arrête de faire exprès, putain. T'as touché quoi, là? Nya, 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 nya. Voilà. Rappelle-toi ce que te disait ton ancêtre. À la fin, il ne peut rester que toi. Comme j'aurais pu aussi bien utiliser la torche pour les enflammer, ces enfants-là. Ok, ça a l'air dégueulasse. Donc, laissons-les venir à nous. Eh, fais gaffe, Gérard, il y a un mur devant toi. Je m'entendais un truc plus gros quand même. Mais bon, on est toujours déçu de quelque chose. Bon, ben j'ai mon truc plus gros. Liste des sorts, barrière, jeté. Le... Oh mais non, putain j'ai plus de mana. Alors, je vais prendre ça. Ah, faites comme si je suis pas venu. Hein. Il faut vraiment que je comprenne pourquoi ce joystick fait que je bouge en permanence. Où est-ce que j'en suis de... Ouais, c'est bon, ça va, je peux tenir encore. Là, par exemple, il vient de voir une hallucination. Allez, c'est bon, j'ai mon bouclier bleu. Bonjour, ça sert à rien de m'attaquer. Je suis plus rapide que toi. Alors. Bada, bada, bada. Aouh, tu tapes plus fort par contre. Mais bon, je suis plus malin que toi, donc ça compense. C'est dur d'être un prêtre aujourd'hui. Voilà. Par contre, je vais faire un truc, ça me démange depuis tout à l'heure. Voyant comme j'arrive à gérer la vitalité de mon perso. Alors, je viens d'en bas. Il y a ça qui m'intrigue depuis tout à l'heure. Cette porte est fermée. Sans blague. À mon avis, si je plante un truc là-dedans, ça s'ouvre. Ok. Bonjour. Amen. Francis, qu'est-ce qu'il en veut? Promis. Réduction sur tous les premiers décapitations. Bleu. Oui, je sais, à la base c'est une barrière, c'est censé protéger le mec qui l'attaque. Mais non. C'est mieux d'utiliser comme ça, et c'est plus marrant surtout.
vous êtes bon, vous pouvez les emprisonner dedans. Ça, c'est du prêtre quand même. Il faut reconnaître que le petit moine franciscain là, il se fait plaisir. Tabasse des monstres, utilise de la magie. Bonjour. Bonjour. Ça, c'est parce que vous n'êtes pas venu au serment. Je vais vous bénir, moi. Bonjour, oui, bonjour, bonjour. Tout ceci est tellement classique. Le prêtre le plus blasé de terre. Quoi. Ah, le codex, ça il me le faut. Bargain Power. Et ça y est, j'ai la puissance. Plus redoutable. Donc maintenant, je peux poser des sorts. Ok, donc on va vers ça dans 2 secondes. Nouveau sort, tac tac. Par exemple, celui de Swing, c'est quoi déjà? Hop, rétablissement, c'est chaise et l'espèce d'hélicoptère bizarre. D'accord, donc ça, ça. Non, c'est pas celui-là. Vous me croyez si je vous dis que je viens d'oublier ce qu'il fallait? Ouais, d'accord, ok. Donc ça et ça. Ok, c'est bon, cette fois je l'ai. Et celui-là. Là, il me faut pouvoir. Tiens, c'est bizarre, je ne l'ai pas. Comment que ça se fait? Liste des sorts. D'accord, donc il faut que je les débloque tous un par un. Donc en attendant, assigner celui-là. Ici. Donc là j'ai un rétablissement aussi à faire pour la folie. Prince Bab. Pardon, excusez-moi. Je suis victime de folie et de démence passagère. Révélation invisible. Je vais faire le nouveau sort barrière. Et on repart. Donc, clé et Z. Pardon, excusez-moi. La clé. Cherchez pas, moi j'ai vu une clé, vous l'avez pas vu. Tant pis pour vous. Voilà, voilà. Une barrière. Donc il faut que j'aille voir le vieux là-haut, que je l'exécute, et je pourrai accéder à la suite. J'adore ces angles de caméra. Non, en fait, j'aime pas du tout. Il n'y a rien d'autre ici. Non, ça là-haut, il faut tuer les mecs pour pouvoir passer dans cette porte. Dans ce cas-là, il faut que je remonte. Le buste qu'on ne peut pas toucher, bien sûr, ça serait trop beau sinon. Voilà, au moins je suis sûr qu'il hallucinera plus. Parce que s'il hallucine, moi ça me fait triper, et ça c'est pas bon.
Et je parie que ça va bouffer un max de mana. Oh, il y a un mur en fait. C'est une sorte de mur le passage. Bon, je pense qu'on a bientôt fini, donc j'arrêterai bien sûr une fois que le chapitre sera terminé, hein, comme d'habitude dans mes vidéos. Mais c'est vrai que plus on y va, plus c'est de plus en plus long. Plus on avance dans l'histoire, plus c'est long. Ah, c'est pas pour me déplaire, mais ça commence à faire long la vidéo. Quoi. C'est vrai que la toute première, j'avais bouclé quand même en moins de 20 minutes. Faudrait un moyen, vous savez, pour arrêter de se faire chier avec... Non mais il faut arrêter là. Le gardien secoue la tête de Paul qui n'a pas les preuves suffisantes pour emporter une accusation contre Augustine. Il doit y avoir quelque chose d'autre à trouver. Je veux pas dire, mais j'ai pas trouvé grand chose, quoi. Il me manque une page. Ok. Si je l'ai oublié en bas quelque part, je vais faire la gueule. Non, c'est pas possible, elle est forcément soit à gauche, là. Elle doit être à gauche. Rien qu'elle est à gauche. Dites-moi qu'elle est à gauche. Une photo de moi en vacances. La clé du podium. La clé du podium. Quel podium? Là, il y a bien un truc ici. Podium, podium, podium. Au chevet de la cathédrale. Serait-ce par là? C'est quoi? C'est ça un chevet? Thank you.
Attendez, je réfléchis deux secondes. C'est quoi un chevet? Chevet de la cathédrale. Surtout que j'ai rien trouvé qui demandait une clé, quoi. Ben, du moins, je m'en rappelle plus. Ça, c'est un chemin, ça. Non, on s'en fout de ça. Qu'est-ce qu'un chemin? J'ai dû le savoir à une époque, mais là je me rappelle pas du tout. Il devrait en faire un film de ce genre. Avec toutes les réponses aux quêtes, vous savez, les énigmes et tout ça. Là. Je viens de là, donc c'est forcément ailleurs. Je suis vraiment désolé de prendre autant de temps. Mais je me fais un peu vieux. Et du coup... Ah, me dis pas que ça va être la seule vidéo que je vais devoir faire en deux parties, quoi. Ça fait déjà 1h15. Non, j'ai tout vérifié là, donc c'est en bas. Il me reste une salle à aller voir. Sinon, c'est beaucoup plus bas. Beaucoup plus bas. Ouais, on s'en fout, c'est ça le chemin. Et si on foutait le feu? Putain, mais c'est où, quoi? Tout en bas? Non. Ah, c'est la machinerie de l'orgue. Ok. On s'en fout, quoi. Ouais. Bon, ben, je sais pas du tout. C'est pénible. S'en fout, putain. Lâche-moi. Merci. Ça, je crois que ça s'ouvre plus tard. Qu'est-ce que j'ai raté? Mis à part la clé. On y voit quand même un peu bien.
Ah, il y a bien une clé, mais on s'en fout. Enfin, il y a... Je vois pas du tout ce que je dois faire. C'est très pénible. Des ouvrages ésotériques dans une... Bon, je dirais... Je parlerai même pas sous la torture. Redbone a été enterré sous un arbre. Un arbre à houblon. C'est un arbre, en fait, il fait des fruits, il s'appelle... C'est pas une plante. Ah, moi, c'est un rituel culte du père. Je viens de faire toute la zone. Et je sais toujours pas où est ce putain de truc. Bon, on va arrêter là de toute façon. Désolé de ne pas avoir pu terminer ce let's play, enfin ce chapitre là, on le continuera une autre fois. Parce que je suis vraiment à court d'idées et j'ai pas envie que ça nous prenne 3 plombes. Donc je vous dis à bientôt dans un nouveau stream et sinon, à la prochaine dans une vidéo. Ciao tout le monde, soyez sages. Surtout toi, Jimizar.